Russell en 21 ans. C'est le temps que le RC Lens aura dû attendre pour entendre ses supporters exulter sur un but en Ligue des Champions. La dernière fois qu'un Lensois avait trouvé le fond des filets lors d'une rencontre de la plus prestigieuse compétition de football sur le vieux continent remontait au 13 novembre 2002. À l'époque, Jocelyn Blanchard avait marqué le troisième but des Lensois lors d'une soirée complètement folle au Bayern Munich. Un duel pour du beurre qui s'était soldé sur le score de 3-3. Un peu moins de 21 ans plus tard, le buteur s'appelle Angelo Fulgini. Le milieu de terrain franco-ivoirien de 27 ans a inscrit, à la 24e minute du match, un superbe coup franc de l'entrée de la surface suite à une faute sifflée après un festival d'Eli Wai. Un but qui a permis aux siens de revenir au score sur la pelouse du stade Sanchez Pizjuan de Séville. Pour le plus grand bonheur des supporters du RC Lens, massé en ville devant un grand écran. Les Espagnols avaient ouvert la marque dès la 9e minute par Lucas Ocampos, ancien pensionnaire de Ligue 1 ex-Monaco et Marseille, d'une astucieuse tête qui avait lobé Brice Samba. Fulgini est le deuxième joueur de Lens à marquer sur coup franc direct en Ligue des Champions après Vladimir Smicic contre Kiev le 9 décembre 1998.